Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne que vous avez une information sans problème. Nous-mêmes en tant qu'ouvriers, en tant que syndicalistes et cap bataille dans milieu ouvrier pour que ajuster salaire ouvrier, nous dénoncer à toute force nous et nous rejeter bien revers de main et proposition que monsieur Aped est fait pour ta mettre salaire à 125 gouttes. N'a dit c'est une proposition qui est indécente et nous même en tant que syndicalistes et tout membre sota boyo bataille ouvrier et en tout ouvrier en particulier dans son appui membre ram et sodio nous clair que nous rejeter bien revers de main des mes propositions ça et n'a pas annoncé ouvrier, rete mobilisé parce que semaine lundi a pral gagner mobilisation et mobilisation ça il pas fait seulement dans Port-au-Prince, l'a fait tout dans Caracol, l'a fait dans Côte d'Ivoire et dans Port-au-Prince pour que nous capable et mander gouvernement pour qu'il y ajuste salaire à 1500 gouttes comme ça le minimum avec ensemble mesure d'accompagnement yo pour dire mon yo rete mobilisé n'a fait suite nécessaire pour que nous capables faire en sorte que yo ajuster salaire yo dans mesure que yo capable là parce que nous même nous pas accepter yo vinn cracher sous et revendication ouvriers yo et pour nous dire tout patron yo qui prend l'argent ona Akofatma depuis 3 ans il a prend l'argent yo ou pas jamais déposer un centime dans Akofatma Akona pour que yo déposer l'argent ça yo parce que patron qui parle puis fort yo c'est eux qui va payer l'état un grain un centime c'est eux qui va cotiser l'argent sous chaque tête travailleur. Et puis, on pas jamais mettre un dollar dans l'ONA. Et nous dit, patron, ça, pour suspendre avec chantage à faire, suspendre payer un ensemble de syndicalistes jaunes qui ont fabriqué, qui ont mettre dans CSS, que nous-mêmes nous dit gouvernement, déjà, dès qu'on rencontre jeudi avec gouvernement, nous dit gouvernement, nous renouveler position nous avec et revendication ouvrière, nous-mêmes nous pas fait Baxouli, et nous demandons gouvernement, dégager le tranché plus vite possible parce que même gouvernement voyez jeter proposition CSS là et il t'a pas annoncé ouvrier pour dire même gouvernement pas d'accord à proposition CSS là mais la seule chose sous ça vous gouvernement proposer à nous pas d'accord avec lui parce que depuis 3 ans il pas ajusté salaire ouvrier yo moi salué en particulier tout ouvrier yo particulièrement ouvrier qui syndiqué yo ouvrier qui prend courage avec des deux mains qui te prend la RIA et qui devait manifester pour demander un ajustement par les minimum 1500 goud avec accompagnement social. Nous saluons courageux, nous saluons tous les militants d'autres organisations qui te rejoignent nous. Et faut me dire que militants politiques qui étaient dans la prison, la coquille, Babas, avec notre camarade encore, ils viennent nous dans le béton, ils te venus pour solidarité. Avec bataille ouvrière, avec libre travailleur. Je dis à nous prêts pour nous louquer, nous-mêmes à travers CNOA, à travers OAM, à travers SOUD, à travers tout militant ouvrier factorio, nous engager nous dans bataille. Bataille là, c'est bataille contre l'exploitation. Et nous saluons tout, tout, central syndicale, nous toujours été attachés avec l'INU, avec bataille là. En cours, CNOA, bataille ouvrier, CTH, CTSP. Donc, nous avons une seule bataille à mener, c'est une bataille pour nous joindre un ajustement salaire minimum. D'abord, nous trouvons que l'État haïtien n'a pas de respect pour ouvrier. L'État haïtien, avec un complot avec patron, il frise salaire pendant 3 années. Taux d'inflation galopé, monté. Il vient à 27% en 2020, 2021, qui se passe là, taux d'inflation a dérivé 28%. Et depuis le mois de décembre 2021, nous prévons que nous avons un taux d'inflation selon IHSC qui balancé de 24 à 26%. Et côté n'a pas l'ensemble avec l'artériel, ils ont oublié payer 200 gouttes machine pour arriver dans l'espace travail côté la travail là. Ouvrier a acheté 350 gouttes manger
pour journée là DJ des boissons gazeuses MJ pas naturel des gaz brassés pour 150 gouttes target en bas ou 700 gouttes 700 gouttes et puis vous dit que ouvrier a les gagne famille pour le bail manger des petites les gagne madame les gagne mari et ouvrier a gagne caille pour le payer. Oui, il y a l'école petite li pour le payer. Les fini ou il y a un cas docteur comme docteur patron yo fait prélèvement l'argent ona Jean Télémac dit ça. Yo pas payé comme là dans ona. Les ou il y a besoin prêt sous cotisation, prêt hypothécaire, les besoin service ona yo pas ca bénéficier. Donc patron yo petit groupe respectait pas yo dans ona. Patron yo petit groupe respectait pas yo en dans ministère affaires sociales travail. Et au Fatma pa yo pa payé comme la assurance yo les ouvriers yo bezal prend service en daona yo di que patron pa payé pour yo les là prend service ou bien là la compagnie assurance côté l'hôpital côté Fatma di li paye assurance pour nous yo les ouvriers yo rive dans Fatma et rive dans l'hôpital ça yo yo di comme ça que patron pa payé pour nous donc yo pa capable ba aux soins ça causé gen en pile ouvrier qui mouri nous pa bien oublié et Sandra René qui était mouru avec un bébé dans votre lit. Nous pas bien oublier Pierre Linel qui était mouru parce qu'il pas de cajon de soin. Parce que patron n'a pas de payer pour lui. Je ne j'ai dit à pour manger avec transport seulement. Et je n'ai coûté ouvrir 700 gouttes. Attends pour même pas parler de CSS. Je dis à ouvrir dans la RTT. Yo nan la ria yo pa vin mande patron yo. Yo vin yo pa vin mande CSS. Anye. Puisque c'est Ariel Henry qui la, ouvriye yo adresse yo avec gouvernement de facto Ariel Henry a nan objectif à travers un conseil ministre spécial pour yo capable ajuster salaire dans 1500 goud avec accompagnement social. Et nous-mêmes à travers syndicat yo et nan non tout ouvrier factorio, nan non agent de sécurité yo, nan non l'autre monde qui vient porter coller dans bataille là. Nous bail gouvernement, nous bail jodia. Oula, on va parler, On bail jodia avec demain. Si toutefois, li pa pran arrêt, li pa pran arrêté soit à soir ou bien demain, si bon Dieu veut. Ou classer salaire minimum nan 1500 goud et Télémac capable de ça nous gen une lettre nous qui écrit dans main nous lettre notification la police parce que nous même nous toujours écrit la police n'a pas la rue pour venir couvrir manifestation venir ban nous sécurité pas pour venir ban nous bâton pas pour venir ban nous gaz pas pour venir faire violence sur ouvriers yo k'ap défendre nos droits fondamentaux qui c'est défendre nos salaires toujours qui ben qui l'ose 1500 goud là et nous mandé ya. C'est $8 américains par jour qui est lié. Et si on ouvre factory, pas gagné accompagnement social, tant qu'au transport, tant qu'au subvention santé, il pas gagné subvention l'école, subvention manger, nous clair ensemble avec vous, 1500 gouttes là, pas fait rien pour ouvrir. Je dis à nous-mêmes, revendication noire, l'irréel. Lundi, si bon Dieu voulait, nous fait appel, encore, avec tout ouvrier factory, agent de sécurité, moun kap travay kay moun kap travay nan hôtel, moun kap travay nan restaurant. Depuis arrêté président, arrêté nan conseil ministre, pas fait, à soir ou demain soir, nous déjà invité, nous pral manifester, nous pral mobiliser, nous pral monter descendre sur route aéroport, et nous pral manifester pour nous jusqu'à ce que l'État haïtien mette ajuster salaire dans 1500 gouttes avec accompagnement social. D'abord, on pas parler de CSS. Peut-être des nouvelles qui beaucoup bail sur Zenith FM. Nous gagnons Pouchal ou dit il est Papou, alias Papou. Mais c'est ça, c'est Gadzi Koch à la Ribéquin qui lit. Mais c'est ça, c'est membre fondateur Parti Respect que Charles Henri Becker a dirigé. Membre ou songer Charles Ribéquin, c'est membre fondateur, respect et tout, avec Papo. Donc, je vous dis, c'est même monde ça que Charles Ribéquin te voyait, bah, défait inculpé, complice Jovenel Moïse,
pour nommer pour lui dans CSS, pour représenter ouvrier. Je dis à nous que Pierre-Joseph Polycarpe, en 2017, qui écrit une lettre, il dit, organisation la dirigée ne s'inscrit pas dans la logique d'augmentation salaire minimum dans les secteurs de la sous-traitance, secteur textile, entre parenthèses. Donc, mon partenaire, ça, Pierre-Joseph Polycarpe, ses amis, Abraham Félix Kelly. Monsieur ça, c'est lui-même qui a porté valise pour appel. C'est monsieur ça, qui tout a monté descendre qu'à appel, m'a connu qui travaille, il fait pour appel. Tu sais, il a payé. Parce qu'à appel, il n'a pas payé courant. Appel, pas payé DH. Et appel, pas payé IRI, il n'a pas payé en rien, aucune taxe. Parce que c'est celle-là-même qui a franchise douanier, et qui a secteur patronat ça, qui a franchise douanier, qui a exonération fiscale, qui n'a pas payé DGI, ils n'ont pas payé CAMEP en parlant de DINEPA, ils n'ont pas payé DH, ils n'ont pas payé frais ouvriers au PFDI, ils n'ont pas payé 1% CAS, et ils ont fait prélèvement l'argent au FATMA, l'argent au NA, ils n'ont pas payé au goût. Et mon cher sacré les APED là, ils doivent au NA environ 1 million de dollars américains et 100 millions de goûts. Mais c'est sacré les APED là, lui doué depuis 2017 lui doué tout building li loué dans son apio il pas jamais payé un goud ma grande qui dit li fait avec directeur yo mais il pas jamais payé un goud ça montre à clair que monsieur Sayo c'est un bon exploiteur pour lui son bon voleur sans ouvrier c'est un bon pilolite gros trip qui lui à peine ça c'est lui même c'est petit Andy à peine. Il y a les Clifford Appet. C'est M. Sayo qui est paraît en 2004 avec le contrat social là. L'enjeu que tu as bâti, ça dit oui. 250 groupes pour mon manifester pour chavirer ancien président Jean-Bertrand Aristide du pouvoir. Donc, je ne veux dire à ces M. Sayo qui offrit ouvrier factorio du régime Boudi. Et là, ouais, soi-disant CSS Monnaie fait sortir un rapport s'il là, excusez-moi. Et me clair ensemble avec vous que c'est dans Adi qui fait ça relé sans ouais qui baille là. M'pas connait qui rapport qui ça c'est lui. Donc m'a invité tout ouvrier yo pour mander yo pressé à nous répondre yo rapide. Et d'abord gouvernement nous chita ensemble avec gouvernement. Jodi a nous tenons une rencontre avec Ariel Henry parce que nous même nous pas dans roue main caché roche. Et nous avons Ariel Henry de volonté pour joindre le apaisement sous mobilisation ouvrière. Nous avons une volonté. Mais côté la passe, il n'y a pas besoin de passer là. Parce que Ariel Henry, le patron, il a gagné environ 3 années, il n'a pas payé ouvrière, il a une augmentation de salaire. Du tout, il n'a pas ajusté le salaire minimum pour ouvrière. L'État a levé ses doigts en l'air pour oui. Donc c'est peut-être ça, nous-mêmes, dans le syndicat, nous n'avons pas dormi. Nous, chez nous, nous avons droit à oui avec intérêt. Donc, nous réclamons 1500 gouttes avec accompagnement social et 1500 gouttes de la trois petits même pour nous demander. Mm-hmm. C'est suite avec une concertation. Mm-hmm. Eh bien, oui. Non, parce que tout l'essentiel dit, dans ce qu'on a plusieurs pour l'aborder. Eh bien, Dominique, oui. Merci, mon cher. Lundi, mardi, mercredi, mobilisation, manche longue dans le secteur textile, s'est arrêté. S'est arrêté à pas sorti pour casser ça le minimum dans 1500. Et ça, le bien. Chaque matin, ma paye 40 dollars la machine. Lundi, le matin, pour montrer, machine s'arrête pour 20 dollars. 10 dollars, j'y. 70 dollars. À 11, machine 30 dollars manger. Guilhem, aidez-moi, je suis en train de marcher et 50 dollars manger au bail. D'ailleurs, je suis en train de manger pour 30 dollars, 10 dollars, 100 dollars. Quoi de quoi pour l'école visite moi? Quoi de quoi pour marcher au rythme sous moi? Parfois, pour les scouts, les pères, c'est un rage, j'ai un bas, pour tout le monde après c'est tombé, pour me sortir de la badouille, pour m'aller à la caille, je vais me faire manger. Nous c'est ouvriers, nous avons mobilisé. Nous avons salaire PTFL qui c'est 600 gouttes. Nous demandons 1500 gouttes pour salaire minimum, nous avons mobilisé.
nous pas faire des autres, nous pas craser, nous pas briser. Simplement nous sortir, nous chanter, nous mobiliser, nous demander 1700 gouttes pour salaire nous. Parce que gaz monte, machine monte, salaire ouvrier, pas jamais monter, nous qui 3 ans, pas jamais nous même une goutte comme ouvrier. Nous manifester pacifiquement. Dieu qui est son appui, voyez, relève la police, y'a fermé. Dieu qui est son appui, Dieu qui est en saillé, relève la police. Il y a un gouvernement qui est finalement les fixé en crise salariale, donc par rapport avec mouvement. Et qui a fait depuis quelques temps, depuis quelques jours dans le pays à la côté ouvrier à couvrir Zio, qui a travaillé dans l'industrie sous-traitance Yo, donc il a réclamé 1500 goudes comme salaire minimum dans la rue. Et ça est la cause par le mouvement ça Yo, il y a plusieurs là-dedans qui victimes de brutalité policière. Et gouvernement, li finalement, et li sorti yon document. Avec une décision, il prend pour lui ajuster salaire minimum non? Et pour différents segments activités, nous songez gain CSS là qui c'est conseil supérieur salaire là lui-même qui était déjà sorti proposition pâle et on dirait que gouvernement il juste font ajustement et un réajustement par rapport à et donc ça CSS là lui-même il était fait comme proposition et c'est hier dimanche 20 février 2022 à conseil ministériel était réuni pour fixer salaire minimum non, pour différents secteurs segments d'activité à partir de propositions et que conseil supérieur salaire a été fait et donc et arrêté qui fixer salaire minimum non, et HU Minel et dans journal officiel le moniteur pour et publication donc à côté à partir de jeudi lundi 21 février 2022 et mais et comment salaire minimum yo reparti selon différents segments yo. Pour segment A, donc salaire fixé à 770 goudes et contre 500 goudes j'en étais en 2019 donc et gagné et c'est un salaire minimum qui proposé et pour 8 heures de temps et journée pour une journée de travail et dans secteur production privée électricité institutions financières banques maisons de transfert société assurance communication commerce import export et avec un supermarché auto bijouterie et galerie d'art magasin meubles et donc et c'est secteur d'activité ça qui ont fixé salaire minimum non pour 770 gouttes pour lui pour segment BA et on salaire minimum qui proposé est de 615 gouttes pour chaque journée de travail 8 heures de temps et dans secteur bâtiment travaux publics et entreprise location camion à cargo et matériel poids lourd et entreprise location matériaux construction entreprise transport matériaux construction quincaillerie et l'autre institution financière et tant que coopérative caisse populaire hôtel et industrie manufacturière et donc qui tourne vers marché local et puis segment CA et c'est yo fixé salaire yo proposé un salaire minimum en 540 goudes et pour 8 heures de temps et un journée de travail donc ces secteurs qui gagnent la donne restaurant agriculture et élevage la pêche industrie et transformation produits agricoles et la trier. Segment BA et proposé un salaire minimum de 350 goudes pour 8 heures de travail par jour. Donc c'est personnel service à domicile donc mon cap travail et dans maison donc mon cap travail et donc et dans et maison privée et puis il y a un secteur qui est en plus et concerné ce secteur ce segment F là. Et lui-même, il a proposé pour ce segment ça, il a un salaire minimum de 685 goudes pour une journée 8 heures de travail dans l'industrie assemblage. Yo, et donc, qui industrie sous-traitance, bien entendu, c'est 685 goudes que il a proposé comme salaire minimum. Pour segment GA et gagner et proposer un salaire minimum de 615 goudes pour une journée de travail 8 heures de temps et donc c'est Ligue la donne et agence sécurité privée entreprise distribution produits pétroliers et puis gagner segment H là lui-même il proposé
un salaire minimum de 400 de 615 goudes pour les gains la donne, secteur ça la donne, l'école professionnelle privée avec institution privée, santé, et donc qui gagne la donne tout, et qui sur service hospitalisation. Donc c'est et comme ça, c'est proposition et gouvernement lui-même lui reparti pour salaire minimum non, et n'a pas et précisé encore fois que pour segment qui gagne la donne industrie assemblage qui tournait vers l'exportation avec industrie manufacturière et qui tournait vers l'exportation, donc c'est à 685 goudes que lui fixé, alors que et pratiquement et gagné et ouvrier à couvrir qui dans la rue a même qui est exigé un salaire minimum de 1500 goudes. Nous déjà gain avec nous en ligne syndicaliste Dominique Saint-Éloi qui parle ba nos premières réactions sur salaire minimum ça qui est proposé par le gouvernement. Bonjour monsieur Saint-Éloi. Justement monsieur Saint-Éloi, nous connaissons c'est une syndicaliste qui est au devant de la scène dans sa gain avec une revendication ouvrier à couvrir yo qui au même moment des 1500 gouttes déjà gain plusieurs journées mobilisation qui fait nous connaissons ça passé en pile fois et c'est avec ces gros répressions que la police fait sous Mounio et après CSS la Tifine lui-même proposé un gris salarial. Maintenant c'est le tour du gouvernement de l'autorité au même pour fixer et yon même gris par yon et qui mettait à 685 goudes pour moun qui a travaillé dans l'industrie et sous-traitance. Donc qui comme au même où est et disposition ça. Donc nous même nous garder ça comme une provocation. Nous-mêmes, nous trouvons que c'est même. Et j'en ai toujours dit, donc, le gouvernement, ça, c'est toujours complice patron, yo. Et vit avec la façon que yo réagit. Vendredi, nous étions en consultation avec le gouvernement sur l'ajustement de salaire minimum. Nan. Nous étions parlé avec M. Ariel Henry. Forme d'où que c'est pas de ça que t'es discuté. Et d'abord, gouvernement, en premier temps, te baille 250 gouttes. Sous 500 gouttes là. En après, encore, via avec, un temps de pression qu'il y a prend en main à 10, si tout messieurs appellent, qui campait en quoi, qui pas voulu salaire minimum dans monter, pour ouvrir, ou capable bénéficier au moins, yon salaire au moins qui capable aider au Kembe. En après, m'tande, yo, nan rencontre vendredi, yo retiré 50 gouttes sous li, yo baye 200 gouttes. Via avec pression. Après, rencontre nous avec monsieur Ariel, yo rencontré avec APED encore. Là, yo fin rencontre avec monsieur APED, nous vin tande que yo vin gon l'autre chiffre. Donc, ça montre à clair, n'a dit ça avec tout ouvrier factory, yo, qui gouvernement, c'est si a joué de patron qui l'a joué. Donc c'est trouvé qu'il pas gain caractère, il pas gain capacité pour agir, pour monsieur Ariel agir en homme d'état, même j'en te dit lui, dit constater c'est lui-même qui pour faire lui-même homme d'état pour garder patrouille, pour assumer responsabilité, pour capable bailler un salaire qui raisonnable avec ouvrier yo. Comment comprendre mon a travail, il pas capable reposer du courage ni courage lui, comment faire ouvrier gain droit à travail pour pas capable manger, li pa gen transport, li pa gen subvention manger, et li gen ti moun, li gen kay pou le payer. Comment le bral vivre avec 185 gouttes sous 500 gouttes? Donc moi même trouve que et salaire ça que gouvernement bay là, li pa reflété avec revendication ouvrier que n'a mandé ya. Donc matin comme douke organisation affilié et via avec concertation qui eux fait yo te déjà gen une lettre notification la police nan men yo matin bien bonnet y a pote la police et demain si bon Dieu vle yo gon conférence de presque y a bay donc et d'ici mercredi jeudi vendredi et y a prend la ria y a yo pral manifester pour continuer réclamer 1500 gouttes comme ça le minimum c'est ça qui
et rapidement gagnant membre nous qui gagnent relé nous pour yo di nous parce que le gouvernement pas nous pas gain condition ça avec gouvernement nous pas dans ça ensemble avec yo moi même en personne de camper devant monsieur Ariel Henry on te dit le comme ça que l'état avec complicité patron yo yo gelé les salaires pendant 3 ans 3 années donc et 1500 gourdes que demandé a si pas gain accompagnement social tant coup subvention autobus, subvention manger pour ouvrier yo et subvention et caille pour ouvrier yo pas gain un redressement de la sécurité sociale dans vie ouvrier yo parce qu'il dit à forme d'eau que patron yo levé yo prend l'argent attirant ouvrier yo pas payé dans onna yo pas payé dans Fatma donc revendication yo gain tout ça yo là-dedans yo donc moi te crois que gouvernement et li papa agi ensemble avec nous même gens il était agi avec certains hommes dans le premier temps et puis finalement sans unilatéralement pour paraître prendre une décision à sous mot d'ordre patron yo ça montre clair là ouais que CSS là qui ressuscité a Ariel Henry te comme ça l'a fait nous CSS qui morné depuis plus passé 3 ans il pas produit aucun rapport le taux d'inflation il monté en 2020 il monté en 2021 et Anissa encore, lui remonté encore, et via Vine Pichet, c'est même monsieur Ariel Henry ça qui monte gaz sous nos populations, qui mettait plus grand goût, plus misère, et couche machine vient doubler sous nos populations, en grosso modo, forme d'eau qui ouvrier au pays environ 200 gouttes machine, il a acheté 150 gouttes manger, et devant son appui à partir bon 5 heures, à partir bon midi, il a acheté l'autre manger environ ou 200 à 300, 250 gouttes à 300 gouttes. Donc, l'on calcule 185 gouttes sur 500 gouttes, mes amis, ça a vraiment révoltant. Et c'est pour tester ça, demander avec tout ouvrier, yo. Yo devait être mobilisé, et puis tant de mots d'ordre. Et après deux jours, qui nous va regagner la rien encore, que gouvernement repasse rapide. Et ça, les Tibet qui nous a dit le alors selon même Dominique Saint-Éloi et c'est ava et non complot et peuple apprend ou bien ouvrir à couvrir les yeux puisque dit nous t'ai parlé avec Ariel Henry gon parole que t'ai ban nous et kounya là et décision qui sorti là montrer c'est un autre bagarre qui fait donc c'est un véritable complot entre l'état avec patron justement parce que dans premier temps il pas ca bailler 250 gouttes et puis il y a vinn di yo prend pression dans mes patron yo. Ça veut dire ça montre que ou c'est subalterne patron yo c'est patron yo nommé mi kembo là donc je vous dis à qui m'a dit monsieur Ariel Henry et s'il te si par exemple il t'a marché prendre l'autre dans mes patron yo comme ça il pas besoin chita avec syndicat yo donc on pense que nous même nous croyons dans les dialogues sociaux nous croyons dans chita parler nous croyons que c'est normal pour nous chita avec quel que soit gouvernement qui là nous c'est syndicat c'est normal pour nous discuter avec yo mais et dans façon que yo agi de façon unilatérale, yo pas de chita ensemble avec nous pour yo dire 185 gouttes y'a pay, et au contraire, dans la rencontre vendredi, yo te dit comme ça que, on va faire des 200 gouttes, donc qui yo de tirer sous ça, yo te dit. Donc, je ne veux dire que, ouvriez yo de, forme d'ok, depuis, là, yo te tend des rapports, CSS la sorti, avec, par rapport avec sa gouvernement te proposé. Depuis vendredi, yo te voulu prendre l'âge, yo te rete nan la cour monsieur Apet ka constater ça nan la cour premium apparel SA et nous ka constater ça nan plusieurs usines nan dans son api c'est nous même qui pas d'accord oui ou sorti parce que nous pas de gon lettre notification nan men nous matin là jodi a ouvrier yo décider pour yo prendre la rue donc moi même m pa gen rien m ka di ouvrier m pa ka di yo va prendre la rue parce que finalement c'est droit yo a défendre c'est yo même cloyé nan do yo lié c'est yo même ka payer machine 200 gouttes c'est yo même ka acheter n'importe 450 gouttes manger par jour, le finir encore, y'a caillou pour y'a payé, y'a l'école petit pour y'a payé, et l'État pas bail aucune subvention, et finalement, ouvrier yo et nous dit comme ça, qui nous même en tant qu'organisation syndicat, c'est normal pour nous défendre yo, mais yo même si y'a pas les récamper, situation y'a pas changé. L'État, si, ça montre à clair que c'est avec complicité l'État haïtien, que monsieur te frise salaire pendant 3 années, y'a pas ouvrier yo salaire tuberculose. Donc il y a la secteur patronat, il pas la tout profit qu'il a fait, yo pas payé, yo pas payé douane, ni les travail entre ni les tourner, yo pas payé DG, yo pas payé DH, yo pas payé FDI, yo tandis que sous tout ça les crabes misère
que yo bay ouvriye yo, yo touche IRI sou yo. 3% IRI. Yo touche 3% ou Fatma, yo touche 6% ou Fatma et ONA. Yo touche 1% CAS, FDI. Ouvriye yo sous salaire yo perdi environ 15%, tandis que patron yo kap fè gros profit sous dollar américain kap monte de jour en jour. Et faut me dire pour fidèle auditeur depuis 2017 dollars sorti dans 168 gouttes pour arriver dans 117 gouttes journée jodia. Donc nous avons traversé un noir, nous mandat avec ouvrier pour éteindre le mode. Donc au cours de journée là, gouvernement doit transformer ça le billet et rapidement nous proposer au gouvernement qu'il tende organisation syndicale. Parce que là, il ne s'agit pas des centrales syndicales, mais il s'agit bien les organisations affiliées aux centrales et qui ont mené en bataille et finalement nous-mêmes nous accompagnons. Faut le chita pour le capable bien sortir avec centrale pour nous jouer un consensus qui doit joindre. Parce que je ne veux dire, sécurité sociale, accompagnement social, une priorité pour nous tous, non seulement ça l'air doit répondre avec les ouvriers, okay. Mais faut que ça ait la sécurité sociale avec accompagnement social, ouvriers doit joindre. Et c'est ça que moi-même parler avec le représentant de la sécurité sociale, c'est un droit fondamental et son acquis qu'elle dit. Monsieur Cetteloa, et où dis-nous, oui. Et pratiquement, et où dis-nous, t'es une première rencontre avec Ariel Henry, et qui t'es déjà dit, nous l'était proposé, si bien songé, soit dit, 250 gouttes, alors que qu'on y a 685 gouttes que vous mettez. Est-ce que ça t'a voulu dire que nous prêts pour nous accepter 250 gouttes que vous t'es proposé nous dans la première rencontre là? Via avec tout tweet que nous fait, via avec toute déclaration que nous fait, 250 gouttes là, nous pas accepter. Nous pas accepter 250 gouttes. OK? Et moi clair ensemble avec nous. Moi-même en personne dans rencontre qui était gain sous table là vendredi là, le gouvernement t'a demandé comment nous capable à bailler 200 gouttes. Nous-même nous dit à 1250 gouttes au moins. Parce que c'est une situation normale pour nous capables et collaborer et finalement pour nous capables de négocier, pour nous sortir dans le consensus. Après ça, ils ont pris des presse syndicats ou à bail en faveur ouvriers pour nous dire mais ça non joigne, mais ça non joigne. Et puis gouvernement laisse à la sortie à utile. Donc, et pas ça que tu dis. C'est pas ça que tu dis. D'abord, nous-mêmes, nous pas accepté avec 250 gouttes là. Nous pas jamais accepté. Si nous acceptons depuis semaine passée, okay. Nous avons dit ouvriers, nous recevons 250 gouttes, donc nous avons arrivé à sortir, nous mettons en tri. Nous ne pouvons pas mettre ouvriers dehors, et mercredi 16 avec et jeudi 18. Okay. Nous ne pouvons pas faire ça. D'abord, nous-mêmes, nous avons respecté mon nom. Donc, je veux dire au gouvernement, il passe pas ensemble avec l'organisation syndicale. Au côté, il sortit avec 185 gouttes. Là, d'accord, merci. Là. Merci infiniment. Et Dominique Cetteloa, c'est un plaisir pour nous déguer au matin dans le journal. Là. D'accord, c'est ton plaisir. Voilà, c'était Dominique Cetteloa, syndicaliste qui a pas milité, donc bon côté ouvrier à couvrir les yeux pour capable réclamer ça le minimum 1500 gouttes là. Et donc il a réagi sous proposition que gouvernement lui-même lui fait et pour capable et ajouter seulement et sous 500 gouttes là mettez 185 gouttes donc pour venir faire passer à 685 gouttes de salaire et minimum pour un cap travail dans industrie et assemblage qui tourne vers l'exploitation donc lui pas accepté du tout et d'après ça dit ses positions donc tout secteur syndical là et puis et vous jeter et proposer position ça que gouvernement fait et il a toujours été et attaché avec la première revendication yo et à savoir 1500 gouttes comme salaire minimum il y a annoncé dans deux jours il pral et remobiliser pour prendre béton encore si toutefois gouvernement va retourner sous décision que les prend. J'ai noté annoncé li nan titre la tout et gagné une nouvelle ça qui concernait les relations de République dominicaine avec Haïti et donc nan yon appel téléphonique qui était passé entre premier ministre de facto et donc Ariel Henry ak président dominicain Luis Abinader et qui lui-même et fait connait gagné intention construire un mur et tout le long et de la frontière haïtiano-dominicaine et donc et c'est ça li fait et premier ministre haïtien connait donc construction et mur ça et que
et président dominicain li di ki c'est une barrière qui pral et gagner et avantage pour deux pays yo parce que la permet yo contrôler plus efficacement commerce bilatéral et pour capable régler question flux migratoire pour lutter contre mafia trafic et organes trafic moun et pour lutter tout contre trafic drogue ak vente illégale zam donc c'est ça et Abinader lui-même li fait connaître c'est ça li et déclaré et travail construction mur ça doit coûter 31 millions dollars environ 27 millions euros et la durée 9 mois première étape là donc qui a planté dimanche en fait hier dimanche là et li a mesuré 54 km clôture et puis en fait c'est dans zone qui gain plus monde qui a vivre là-dedans et puis qui plus sensible dans sous frontière selon président il y a une deuxième étape qui pourra le prolonger mur là de et 110 km et mur et ça il pourra l'étendre sur 164 et dans et 380 km et sous frontière que frontière lui-même lui est mesuré donc frontière entre deux pays et République dominicaine avec Haïti et gagné donc c'est un mur en béton armé et donc qui pral poser sous et sur une structure métallique qui gagne en hauteur de 9.90 m et qui pral gagne une épaisseur de 20 cm donc et pral d'après ça et président ajouté et pral gagner 70 tours de surveillance et tours de contrôle et grave crise institutionnelle et sécuritaire qui gagne en Haïti a donc conduit population à une situation qui est assez préoccupante et instable et politiquement et nous connaît comment Haïti comment haïtien eux-mêmes yo toujours à donc apprendre en République dominicaine avec qui enthousiasme par rapport avec irresponsabilité qui gagne pas bon ici bon côté et responsable ou bien dirigeant et autorité dans pays a et côté haïtien vraiment pas vérité la caillou tellement yo pas vraiment en mesure pour yo capable et vivre normalement de manière décente donc c'est ça qui la gagne nous dans situation que nous trouvons nous aujourd'hui là.